J'ai un peu de difficulté là, avec le décalage horaire. Donc, je suis arrivée il y a 2 jours. Non, hier matin. Ouais, je suis partie il y a 2 jours, je suis arrivée hier, vol de nuit. Donc, on est le 22 là, non? Oui, tu me rassures. C'est la fête du Québec dans 2 jours, donc je sais pas trop comment je vais célébrer le tout. Mais... Ton vélo, tu l'as fait faire ici en France directement et puis tu le découvres ici. Ouais, j'avais déjà vu un peu donc la liste des pièces et puis comme je connaissais un peu déjà, j'avais fait mes enquêtes sur les types de moteurs et tout, les types de batteries. Ça n'a pas été une énorme surprise, donc je vois le vélo, oui, je le découvre. Mais j'avais une bonne idée à partir de la liste, à partir des photos et tout. Donc ça va être de voir comment ils s'organisent parce que les panneaux solaires sont fixés différemment, c'est intéressant. Ils ont été créatifs avec des solutions un peu plus légères, peut-être plus low-fi, low-tech, mais qui fonctionnent très bien. Donc comme quoi on n'a pas nécessairement besoin d'aller vers des trucs extrêmes pour arriver à quelque chose d'efficace. Ça fonctionne la façon dont tu vas pédaler. Il y a des capteurs de pédalage. Des capteurs de pédalage, okay. il y a deux capteurs. Suivant, tu peux changer de capteur sur l'appareil. Le 20 jours du départ, tu as un programme défini où tu vas rentrer petit à petit dans l'ambiance française et... L'ambiance française, je pense que j'ai déjà repris mon accent, donc les Québécois qui vont m'entendre vont faire « mais qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Et non, c'est surtout de faire le mieux du temps qui me reste, donc j'ai encore du travail pour mon boulot pour Lonely Planet. Donc je travaille là-dessus et puis découvrir un peu la région, c'est vrai que je la connaissais en autostop, mais maintenant si je peux me trouver un vélo, me faire des jambes ici dans la vallée, dans les montagnes, ça va déjà me permettre de m'habituer à l'environnement de départ et puis reprendre aussi contact avec les autres participants qui sont dans la région, donc qui sont des amis en quelque sorte déjà, donc grâce au Sun Trip.